Bonjour, donc euh, on a parlé des poils, des casseroles, téflon et autres. Cette fois, euh, je ne pouvais pas y louper, euh, bien sûr, de parler de perturbateurs endocriniens, vu que le téflon en fait partie, bien sûr. Donc, euh, je vais vous expliquer ce que c'est par le biais de ce lien. Donc, euh, la liste est faite et comment les éviter. Donc, soja. Cosmétiques, dentifrice, gels douche, l'huile essentielle, les perturbes endocriniens sont largement présents dans tout dans notre quotidien, alors qu'ils favoriseraient certains cancers, diminueraient la fertilité et influeraient négativement sur le développement des bébés. Quels sont-ils Où les trouver Comment se protéger Définition la santé, la santé dépend du bon fonctionnement du système endocrinien, qui régule la sécrétion d'hormones. Essentielles au métabolisme, à la croissance, au développement, au sommeil et à l'humeur, certaines substances, connues sous le nom de perturbateurs endocriniens, peuvent perturber une ou plusieurs fonctions du système endocrinien, et ainsi accroître le risque de survenue de problèmes de santé, explique l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Parmi ces problèmes de santé, la survenue de la cryptorchidie, absence d'un ou des deux testicules dans le scrotum, chez le jeune garçon, du cancer du sein chez la femme, du cancer de la prostate de troubles du développement du système nerveux et d'un déficit de l'attention, d'une hyperactivité chez l'enfant, ainsi que du cancer de la thyroïde. Type. Ces substances peuvent être d'origine naturelle, hormones, ou issues d'activités humaines. Elles sont présentes dans l'eau, dans l'air et dans de nombreux produits de consommation. Industrie chimique textile, cosmétique, détergent, matière plastique peinture. Le plus connu est le bisphanol A, présent dans les plastiques de contenants alimentaires ou les tickets de caisse depuis 2010. Il est interdit dans les biberons en France. Ces molécules pénètrent dans l'organisme par voie digestive. respiratoire, mais aussi par voie par la voie cutanée. Produits d'hygiène colorants capillaires lingettes. Tous sont contenus dans des produits naturels, comme le houblon. Ah, pardon. Alors, je recommence cette phrase. Elles sont contenues dans des produits naturels comme le houblon, la bière et le soja, et surtout dans des produits de synthèse, détergents, médicaments pesticides, plastifiants, PCB, composés organométalliques, etc. La liste est longue. Commente le docteur Patrick Aubé, médecin généraliste, auteur du livre 20 plantes médicinales pour se soigner tous les jours aux éditions Le Duc. Effet des perturbateurs endocriniens. Le perturbateur endocrinien peut agir de trois manières différentes il peut mimer une hormone et même et ainsi provoquer l'effet de cette hormone. il peut bloquer l'action hormonale en se fixant sur son récepteur. il peut perturber la production d'hormones ou de leurs récepteurs. risques. les perturbateurs endocriniens peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine, la faune et l'environnement. Les études scientifiques ont permis de démontrer l'action des perturbateurs endocriniens sur le système reproducteur de l'organisme lui même ou des descendants, avec une détérioration de la qualité du sperme, menant à des problèmes de stérilité, des accouchements prématurés ou des nourrissons au poids inférieur à la normale, un retard du développement fœtal, des troubles de la puberté chez les adolescents, conduisant souvent à une puberté précoce une augmentation des cas de malformations génitales des nouveau-nés, des modifications sur le métabolisme avec la survenue d'obésité et de diabète, et l'apparition de cancers hormonaux dépendants, cancers du sein, du testicule, de la prostate et de l'ovaire. Perturbateurs endocriniens et grossesse. Parmi les populations, les plus à risque en ce qui concerne l'exposition aux perturbateurs endocriniens, les femmes enceintes, la grossesse, la petite enfance, la puberté sont des périodes de vulnérabilité plus importantes face aux risques liés à ces substances. Il y a lieu d'être d'autant plus attentif à notre environnement immédiat au cours de ces périodes, confirme le médecin généraliste. En effet, les fœtus sont directement exposés aux substances consommées et respirées par la femme enceinte, aux mises au contact de la peau maternelle. Le développement du fœtus étant essentiellement régulé par les hormones. Le passage de perturbateurs endocriniens dans le placenta peut en modifier l'action. Résultat. Des erreurs de développement conduisant à des malformations ou des pathologies peuvent survenir. Après la naissance, le nourrisson reste vulnérable, car son développement n'est pas encore achevé. Le contact avec des perturbateurs endocriniens ou leur absorption par le biais du lait maternel peut donc également altérer la santé du nouveau-né. Il est donc impératif de bannir les perturbateurs endocriniens tout au long de la grossesse. Et même au-delà, ça serait mieux. Quelques conseils pratiques. Peuvent être adoptées par les femmes enceintes et allaitantes. utiliser le moins possible de produits cosmétiques et de lotions pendant la grossesse et l'allaitement. Toujours choisir des produits sans parfum et ne pas se parfumer pendant cette période. Préférez des produits bénéficiant d'un label écologique. Ne pas colorer ses cheveux pendant la grossesse ou l'allaitement. Laver des objets à destination du bébé, vêtements, tissus et jouets. Éviter l'usage quotidien de lotions et de savons pour le bébé. N'achetez pour le bébé que des jouets répondant aux normes françaises et conçus pour son, usage, pour son âge. Pardon. En effet, les jouets pour les enfants de plus de 3 ans peuvent contenir des, des phtalates. Pardon. Alors, liste non exhaustive des, perdu, des perturbateurs endocriniens. Il n'existe pas de liste de, des perturbateurs endocriniens à l'heure actuelle, mais le ministère de la Santé a confié cette mission à l'ANS le 3 septembre 2019. Dans un communiqué, celui-ci annonce que dès 2020, une liste de perturbateurs endocriniens sera publiée et partagée avec les partenaires européens. européens. Parmi les perturbateurs endocriniens dont on parle le plus, aquiphénol, alkyphénol, BHA et BHT, bisphénol A, cadium, inifuge bromé, PBDE, le mercure, les parabènes, les phtalates, le plomb, le téflon et composé perfluoré, le Triclosan. Voilà. Je continue. Facteurs de contamination. Certains perturbateurs endocriniens sont naturels, alors que d'autres présents dans les pesticides, les appareils électroniques, les produits d'hygiène personnelle et les cosmétiques sont synthétiques. Certains additifs alimentaires ou contaminants présents dans l'alimentation sont également susceptibles de perturber le système endocrinien. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le système endocrinien, c'est toutes nos glandes endocrines. Hein, donc, ça peut être autant la thyroïde, euh, voilà, entre, entre autres la thyroïde. Donc, euh, après, euh, voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Voilà. Euh, en septembre 2019, le premier volet euh, d'une étude baptisée Esteban, servant à mesurer la présence des perturbateurs endocriniens dans l'organisme, a montré que tous les Français étaient contaminés à différentes échelles, les niveaux d'imprégnation des enfants étant plus élevés que ceux des adultes. Alors, phtalate, bisphénol, parabènes, nous sommes tous contaminés. Savon, gel douche, emballages, jouets, des polluants dangereux cachés dans les produits du quotidien sont présents dans l'organisme de tous les Français. Surtout les enfants, annonce Santé publique France. Quelles sont les pires sources d'exposition Alors, les aliments. Les aliments peuvent contenir des perturbateurs endocriniens. Première source. Ah, j'ai encore un problème. Qu'est-ce qui se passe encore Ça bouge. Première source les emballages alimentaires, notamment en matière plastique. Parmi eux, les phtalates. Ils peuvent migrer dans les aliments, notamment lors d'un passage au micro-ondes. C'est pareil, hein, le micro-ondes, euh, il est à bannir. Voilà, à part si vous avez une bouillotte pour la faire chauffer. <laughs> voilà. Il s'agit d'une substance classée cancérogène et reprotoxique. Toxique pour les organes reproducteurs ou pour les descendances. Ils ont été interdits dans les jouets et les objets de périculture. Euh, les dispositifs médicaux et les cosmétiques. Euh, je reviens un petit peu sur la bouillotte qui, euh, voilà, limite que le micro-ondes pourrait servir qu'à qu ça au pire. Alors, faites attention parce même en, en chauffant votre bouillotte en micro-ondes, il faut savoir que la plupart du temps les ondes, euh, voilà, sortent du micro-ondes, donc vous en prenez plein. Donc, euh, mettons, si vous faites chauffer votre bouillotte au micro-ondes, ne restez pas à côté du micro-ondes. Moi, je la mets en route et je me barre. <laughs> en gros, c'est ça. <laughs> Donc voilà, euh, oui, c'est un produit très dangereux euh, qui est normalement à bannir. Euh, voilà, le micro-ondes. Voilà, c'est pratique mais dangereux. Et en plus, je trouve que réchauffer au micro-ondes, c'est pas terrible. Euh, voilà. Déjà, euh, ça. Enfin. Ça, je, je mettrais peut-être une chose aussi sur les micro-ondes parce que c'est vrai que c'est des choses que j'ai vues au, tout au début. Hein. J'ai commencé mes recherches par là, on va dire l'alimentation, enfin bon bref, tout ce qui tournait autour. Donc euh, c'est des recherches qui datent de presque 10, ouais, plus de 10 ans pour certaines. Donc, euh, voilà, je ne peux pas tout retenir. Et puis, moi, je suis passée à autre chose normalement. Voilà, je suis rendue plus sur la physique quantique et tout le reste. Là, si je refais un point sur tout ça, c'est plus, euh, plus pour vous, quelque part. Et puis, pour partager, euh, voilà, sur, pour des enfants, je sais que dans mon entourage, euh, y compris euh, sur Facebook, j'ai beaucoup d'enfants handicapés, euh, vu que je tenais aussi une association pour enfants handicapés, entre autres pour ma fille et euh, bon voilà j'ai toujours eu pas mal de personnes handicapées euh, autour de moi donc euh, c'est aussi pour eux que je fais tout ça euh, reprendre les choses depuis le début c'est important donc euh, et c'est là qu'on se rend compte que petit à petit il euh, y a des choses qui ne vont pas on nous empoisonne de partout alors de façon euh, comment dire euh... <laughs> on pense au début que voilà c'est peut-être pas fait exprès mais il y a beaucoup de choses qui nous disent le contraire donc euh, euh, donc c'est à nous. De toute façon, c'est par nous que viendra le changement. C'est à nous de faire attention. Si on n'achète plus ces produits, si on n'achète plus ces aliments ou autres produits dangereux, euh, je vous assure que les commerciaux ne vendront plus ces produits. S'ils ne vendent pas, ils les arrêteront forcément. Donc euh, forcément, tant qu'ils ont de la comment dire de la demande, ils il y en aura toujours, il y en aura toujours, et c'est juste logique, en plus ils se font du fric dessus, donc euh, comment voulez-vous Donc euh, à vous de changer vos habitudes, de reprendre euh, les rênes de votre santé, au-delà du reste, parce que euh, ça commence par là. Alors, je vais reboire un petit coup parce que là j'ai la gorge sèche, alors je rebois un petit coup parce que c'est plus difficile de lire, surtout que le lien il est un petit peu long là. Allez, c'est reparti. De quoi mouiller un peu la gorge. <laughs> Autre perturbateur endocrinien dans le plastique. Le BPA. Pour euh, bisphanol A. Un composé intéressant de par sa grande résistance et sa durabilité. Ce dernier a largement fait parler de lui jusqu'en janvier 2015. Date de son interdiction dans les contenants alimentaires et les tickets de caisse. Après avoir déjà été banni des biberons en 2011, les études scientifiques suspectaient de plus en plus de liens entre bisphanol A et cancer du sein. Maladie cardiovasculaire ou encore diabète et obésité. C'est son cousin le bisphanol S qui lui a emboîté le pas. Pourtant, celui-ci pourrait lui aussi affecter notre santé. Et notamment, le développement du système nerveux. Il serait presque pire que le, le bisphenol A. Hein. Donc en fait, ils en retirent un, mais pour en remettre un autre aussi dangereux, voire plus. Certains aliments ont même, eux-mêmes, contiennent un polluant industriel fabriqué dans les années 1930 et utilisé comme isolant électrique, le PCB. Alors, Polychlorobéphényl. Voilà, pardon, désolé. C'est des noms à chaque fois euh, voilà, imprononçables. C'est le cas notamment des poissons et autres produits de la pêche. Ils sont, ils sont en plus forte quantité dans les poissons gras comme le saumon, car les PCB se logent dans les graisses. Les poissons carnivores, truites, saumons, raies, sol contiennent également plus de PCB par ceci. Euh, par ceci, ci s'accumulent au fur et à mesure de la chaîne alimentaire de la chaîne alimentaire. pardon. Sur terre, les, PCD, les PCB présents dans le sol sont absorbés par les plantes et contaminent les herbivores, vaches, chèvres, volailles. Ils se retrouvent alors dans la viande, le lait et les œufs. Pourtant, les PCB ont été interdits dans l'industrie en 1987, mais leur très grande pérennité explique leur présence encore massive, causant des stérilités, des anomalies de croissance, des malformations chez les nouveau-nés et des dérèglements de la fonction immunitaire. Enfin, le soja, quant à lui, contient des isoflavones, des, isoflavones, des substances phytoostrogènes pouvant augmenter le risque du cancer du sein. Donc euh, voilà, je voulais revenir aussi sur les produits de la pêche, par exemple. Euh, donc il faut savoir que malheureusement, euh, dans les produits, bon, les poissons, hein, euh, on a besoin des produits de la mer, euh, parce que euh, bon, vous trouvez donc, des oméga 3, mais aussi euh, comment, la, D, la, la DHEA et de l'EPA. Et euh, c'est une très bonne source et qui est utile pour notre santé. Donc, euh, alors, surtout, ça ne veut pas dire qu'il faut enlever les poissons. Hein. Et ça reste quand même euh, plus important d'en manger que de ne, ne pas en manger. La seule chose, il faudrait plus choisir des petits poissons. S'ils sardines, anchois, euh, donc euh, le plus sauvage possible. Euh, si vous prenez des poissons euh, d'élevage... Euh, malheureusement, euh, alors les poissons bio, j'aime bien les produits de la mer bio. En fait, moi je les bannis, les produits de la mer bio. Je n'en veux pas des produits de la mer bio. C'est des poissons d'élevage, je n'en veux pas. Je veux des produits euh, qui viennent vraiment de la mer et le mieux, c'est de haute mer. Et euh, des petits poissons, pourquoi Parce qu'ils sont moins chargés en métaux lourds. Donc euh, le mieux, voilà, c'est ceux que je vous ai cités les sardines, euh, les anchois, euh, les maquereaux. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore euh, Donc voilà. Tous ces petits poissons, euh, voilà, ils, pré ils présentent beaucoup moins de risques. Après. Euh, donc voilà, on ne pourra jamais tout enlever. Hein. Après, il y, y a des petits moyens. Par exemple, euh, en mangeant, on pourrait utiliser bah, du chilagite, euh, par exemple, ou euh, de la chlorella, en même temps que vous mangez du poisson. Euh, ce qui va permettre d'absorber un peu les métaux lourds et de les éliminer. Voilà, au moins euh, pour la plupart. Donc là, maintenant, on va parler des cosmétiques. Les déodorants, les vernis, alors les vernis à ongles par exemple, les lingettes jetables, les crèmes à raser, gel douche, shampoing ou encore produits de coloration pour les cheveux contiennent des perturbateurs endocriniens. On compte. No, no, Pardon. <laughs> On compte notamment les phtalates, composé qui modifient l'équilibre des hormones thyroïdiennes, sont toxiques pour le système nerveux et entraînent de problèmes, des problèmes de fertilité, mais aussi des parabènes, des aquiphénols ou encore des triclosanes, qui est toxiques pour le foie et les voies respiratoires. Voilà. Alors, moi, personnellement, je n'utilise plus de déodorant. Je me maquille très peu et du coup, j'ai pris des, des produits. Euh, euh, j'utilise souvent, alors quand je me maquille, des produits de la marque euh, Couleur Caramel. Euh, donc, euh, voilà, j'utilise ces produits-là. Et je les ai depuis des années parce que je me maquille très peu. Je pense qu'ils me feront toute une vie. <laughs> donc euh, voilà. Et donc je euh, les déodorants. Euh, je n'utilise plus de déodorants. On peut utiliser euh, des produits, euh, même par exemple le bicarbonate de soude. Ben voilà. Vous en mettez un peu. Bon, c'est vrai que c'est pas très pratique. Mais il existe, vous pouvez trouver des petits contenants à billes vous pouvez mettre du bicarbonate de soude. Alors, par contre, évitez de vous raser avant parce que ça peut piquer. Hein. Euh, voilà, donc le bicarbonate de soude. Après, vous pouvez trouver. Il euh, euh, y a des huiles. Alors, en fait, tout ce qui est euh, quelque part anti. Euh, Ouais, même des huiles antifongiques, ça peut marcher, comme l'huile de Nîmes. Alors, le problème de l'huile de Nîmes, c'est qu'elle elle a une odeur qui, qui ne plaît pas à beaucoup de monde, mais euh, quelque part, c'est un antitranspirant aussi, voilà. Donc, bon, il y, a, il y a beaucoup de choses à utiliser. Alors, on peut trouver des alternatives euh, vraiment naturelles. L'huile de coco, l'huile de coco aussi, je pense qu'elle peut être utilisée en... En déodorant, en mettant un petit peu sous les aisselles. Alors, bien sûr, il ne faut pas en mettre beaucoup, parce que vous allez graisser, graisser vos vêtements il hein. faut y aller doucement quand même. Hein. Les vernis, vous pouvez en trouver euh, des vernis. Alors, bien sûr, vous n'aurez pas les couleurs de d'habitude vous n'aurez pas tout à fait les mêmes effets. Mais il y a des vernis qui sont à base d'eau et qui, euh, eux, n'ont pas de problème. Donc, euh, à vous de faire des recherches. Euh, les lingettes, euh, bon, si vous pouvez vous en passer, c'est mieux aussi pour la planète. Euh, après, euh, soit vous utilisez des lingettes lavables, hein, ça, ça existe, hein, euh, ou on va dire au pire du sopalin en attendant des choses. Euh, mais après, bon, mais il y a des substances partout, donc euh, on va dire le mieux c'est du, la, du lavable, hein, comme dans le temps. Les crèmes à raser, tout ça, donc forcément si en plus vous vous êtes rasé, bah, forcément ça rentre par la peau. Hein. Euh, les gels douches, les shampoings, donc moi c'est pareil, j'ai tout changé, j'utilise des produits euh, naturels. Donc les gels douche je, je n'utilise plus de gels douche je prends du savon brut euh, et je fais attention bien sûr à ce que je prends. Euh, il faut prendre euh, par exemple du savon d'Alep, hein, voilà qui est un, un savon naturel. Euh, après, euh, si vous voulez faire vos gels douches et autres, vous pouvez vous les faire vous-même. Il suffit vous allez trouver des recettes hein, sur internet euh, faire euh, du gel douche euh, faire votre gel douche euh, naturel et autres mais après moi franchement je suis habituée au savon euh, ça marche très très bien euh, les le shampoing bah, c'est pareil euh, la plupart du temps euh, j'ai je prends des shampoings euh, qui sont euh, bio et sans problème euh, vous pouvez aussi de, trouver des shampoings durs euh, s'ils savons euh, donc ça vous de chercher, faire vos propres recherches aussi euh, et puis quelque part, vous pouvez faire aussi votre shampoing euh, à base de savon d'Alep ou, ou autre. Hein, voilà c'est Il y a plein de recettes sur internet, vous pouvez trouver tout ça. Alors pour les colorations des cheveux, alors euh, moi vous avez vu que j'ai des. Bon, à part quand mes cheveux blancs, enfin quand j'en fais pas tout de suite, j'ai plus de cheveux blancs qu'autre chose autrement. Euh, à la base, j'avais je faisais des couleurs rouges. Alors il faut savoir que toutes les couleurs contiennent des métaux lourds. Euh, donc il faut passer sur du naturel. Donc euh, moi je prends euh, de... Comment Merde. Voilà, j'ai un trou de mémoire encore. Je prends, 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 prend, prends. prends, prends euh, du... Ah, bon, ça ne va pas me revenir. En euh, bref, sa base de plantes. Bon, pas masse alors. C'est ça le problème. Hein. C'est même des choses qu'on connaît très très bien, qu'on utilise euh, Couramment, et puis là tout euh, à l'heure j'allais le dire, et puis je, je vais le dire plus loin au niveau des cosmétiques, et puis voilà, j'ai oublié euh, bah, tout ce qui est euh, bah, voilà. Euh, alors, je pourrais aller vite fait dans mes placards, aller voir. Bon, je vais pas faire un de deux, deux pieds de long, donc euh, je, je vous mettrai un petit message sûrement dans la vidéo ou euh, voilà quoi. Je, faut, je pense à le mettre surtout. Je pense je dis ça des fois puis j'oublie 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 de le mettre. Donc en fait euh, des ah, DNA, voilà, je savais que ça allait me revenir donc je fais des aînés donc c'est à base de plantes. Euh, je fais ce bon moi, ce qui me va le mieux c'est souvent des, des, la teinte rouge enfin bon, c'est pas vraiment du rouge ça vire plus au orange sur le henné mais euh, c'est parce que je n'en fais pas assez parce que souvent comme j'attends mes cheveux blancs euh, donc du coup la première, euh, le premier aîné qu'on fait souvent va virer un peu plus au orange mais quand on remet dessus une deuxième couche et qu'on en refait mettons une semaine un peu plus tard euh, en fait, on va retrouver le rouge hein, parce qu'il y en a qui arrivent très bien. On peut, on peut même passer sur du Auburn. Enfin, on peut faire beaucoup de choses avec le aîné, hein, Donc, on ne pourra pas faire forcément des choses comme le bleu, ceux <laughs> qui veulent vraiment des choses qui changent de l'ordinaire. Mais on peut faire beaucoup de choses avec le et ça reste quand même une solution alternative à tous ces produits euh, voilà, qu'il qu faut bannir de notre quotidien, surtout si vous êtes malade, hein, forcément. Donc voilà, après les cosmétiques, donc les parabènes, euh, enfin dans les, dans les cosmétiques aussi on en trouve, euh, utilisés pour éviter le développement de nombreux champignons et bactéries, et ainsi permettre à un produit de beauté ou d'hygiène de se conserver plusieurs mois, après ouverture, les parabènes ont longtemps envahi les flacons. Il a été interdit pour les produits cosmétiques pour enfants de moins de 3 ans, en 2011 par la Commission européenne. Ce perturbateur endocrinien, endocrinien pardon, est suspecté d'avoir un effet proche des oestrogènes, une des hormones féminines, et donc de posséder un rôle dans certains cancers hormonodépendants comme le cancer du sein. La fameuse inscription sans parabène ne, ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autres conservateurs toxiques. Il est en effet très souvent remplacé par le phénoxyéthanol, un autre composé au caractère allergène, allergène pardon, et potentiellement cancérogène. Oui, faites attention, ils ont tendance euh, voilà, à jouer sur les mots. Hein. Donc là, je vais revoir un coup parce que je sens que j'accroche sur les mots et je m'assèche un petit peu. Alors. Cosmétiques et hygiène. Comment repérer les produits non toxiques De nombreux cosmétiques contiennent des ingrédients indésirables, irritants, allergènes ou perturbateurs endocriniens. Comment les éviter Dentifrice. De nombreux dentifrices contiennent du propylparabène ou du triclosan, l'un conservateur, l'autre puissant antibactérien. Tous deux sont accusés d'être de grands perturbateurs endocriniens. Le triclosan aurait des effets sur les hormones produites par la thyroïde et sur le déclenchement de la, pu la puberté. Alors, dentifrice. Cette erreur à éviter pour bien le choisir. Blancheur. Avec ou sans fluor. Antitartre bio. Les dentifrices inondent les rayons des, supermarch des supermarchés et des pharmacies. Conseil pour bien le choisir. Liste des ingrédients invités, parole d'expert. Alors là, là, c'est directement dans la bouche, peux-je vous dire que... Euh Souvent, euh, voilà, en santé, quand on veut absorber une substance plus rapidement, c'est simple. Par exemple, le quinton, hein, qui est de l'eau de mer, en fait, pour avoir euh, les, les, les minéraux qui se trouvent dedans plus rapidement dans l'organisme. Vous le gardez un peu euh, dans, en bouche une minute. Alors, quand vous utilisez un dentifrice, hein, souvent qu'ils disent qu'il faut se brosser les dents pendant au moins une minute. Hein. <laughs> Et bien en fait, tous les composés qui se trouvent dans votre dentifrice se retrouvent dans vos organismes et très rapidement directement dans le sang. Perfusion directe. Donc voilà, euh, donc euh, voilà, c est, c est... Enfin, moi j'ai banni tous ces dentifrices aussi, hein, bien sûr. À la maison, l'air de nos logements est souvent plus pollué que l'air extérieur, car nos intérieurs concentrent de multiples sources de produits chimiques outre les insecticides utilisés, les produits ménagers, les revêtements, des meubles et des tissus. Mais aussi certaines peintures sont chargées en perturbateurs endocriniens. Et oui, il y en a partout. Donc bien sûr, euh, comme je vous le disais au début, on ne pourra jamais tout enlever. Le but est d'enlever tout ce que l'on peut enlever. Donc euh, l'air, malheureusement, on ne peut pas faire grand chose dans les logements euh, on va dire à moins de prendre des produits euh, vraiment naturels pour les meubles aussi si vous avez les moyens faites le euh, franchement faites le après euh, pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de d'aller de, 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 jusque là euh, essayez d'aérer le plus possible même si l'air est pollué euh, dehors de toute façon elle sera moins polluée que nos intérieurs avec tous les produits donc voilà tous les produits ménagers c'est pareil hein, euh, vous pouvez bannir tous ces produits dangereux. Euh, utilisez un maximum le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc. Euh, donc, là, vous pouvez, vous allez trouver aussi des recettes sur Internet. Hein. Vous pouvez tout changer. Et pour, en plus, ça vous coûtera moins cher. Donc, allez-y. Même votre lessive, tout ça, on peut tout changer. Parmi eux, les composés perfluorés ou PFC. Largement employé comme traitement anti-taches ou imperméabilisant pour les vêtements, les tapis, les moquettes ou encore les cires à parquet, plusieurs études montrent qu'une exposition in utéro au PFC peut entraîner la naissance de nouveau-nés plus petits que la normale et pouvant par la suite souffrir d'obésité. Autres produits infiltrés dans nos maisons les polybromodiphényls éther ou PBDE, utilisés comme retardateurs de flamme dans les équipements électroniques, électronique, ordinateurs, téléviseurs, les matelas, les canapés, les meubles, mais aussi les revêtements. Les PBDE seraient Responsable de troubles du développement du système nerveux et de modifications des hormones thyroïdiennes. Enfin, les produits d'entretien et les peintures contiennent pour la plupart des éthers de glycol. Derrière ce nom chimique se cache un solvant qui facilite le mélange de plusieurs composés liquides. Le problème des éthers de glycol semble jouer un rôle sur la survenue de fausses couches, de malformations du nourrisson et dans la diminution de la fertilité masculine. Euh, je vais rajouter un petit comment dire, euh, commentaire. Mon père était peintre en bâtiment euh, et il est décédé d'un cancer euh, du cerveau donc euh, d'un glioblastome temporal droit exactement. Euh, la descente a été assez fulgurante. Euh, donc, euh, dans les peintures euh, qui respiraient euh, toute la journée au-delà du reste, il hein, euh, y a des choses euh, vraiment euh, très, très néfastes. Donc, voilà, on en, on en a partout autour de nous. Hein. Malheureusement, euh, pff, voilà. Et je sais que chez, nous, enfin chez mes parents, euh, il y avait de la peinture insecticide. Hein. Donc, après, peut-être que ce n'est pas bon pour la santé non plus. Parce qu'il existe des peintures en fait, qu'on peut mettre au plein fond pour éviter que les mouches se collent. Euh, voilà, donc euh, c'est des peintures insecticides. mais Je suppose qu'elles doivent être même encore plus mauvaises que, <laughs> que les autres. Ouais, parce que ça relie non seulement la peinture avec les problèmes, mais les, les insecticides qui se trouvent dedans. Donc voilà, mis à part ça, bon voilà, on va continuer, hein, la vie continue. Alors, euh, euh, les huiles essentielles et, perturba et perturbateurs endocriniens. Une étude menée par l'Institut national des sciences de la santé environnementale a récemment souligné la dangerosité de l'huile de lavande et d'arbraté. Ah, même là, hein, on y arrive. Ces huiles ont des propriétés œstrogéniques et anti-androgènes, c'est-à-dire qu'elles agissent comme inhibiteurs de testostérone. Elles peuvent donc entraver la puberté et la croissance. On fait attention parce que beaucoup utilisent justement ces huiles aussi pour faire leur euh, comment dire euh, leur dentifrice. Donc euh, voilà. Donc euh, à chacun de faire ses petites recherches après. Comment se protéger des perturbateurs endocriniens Limitez euh, les emballages plastiques en préférant les matières pérennes telles que le verre plutôt que jetables. Si vous êtes adepte des plats préparés, pensez à les retirer du plat en plastique avant de les faire chauffer. Consommer du poisson c'est bien, mais pas plus de deux fois par semaine par ailleurs. Diversifier les espèces consommées et les zones de provenance. Les pesticides utilisés en agriculture contaminent fruits, légumes et environnement. Ce sont eux aussi des perturbateurs endocriniens. Au niveau domestique, les pesticides sont présents dans certains produits antipoux, dans les produits antipuces pour chiens et chats, mais aussi dans les insecticides utilisés pour jardiner. Préférez les fruits et légumes biologiques, et surtout rincez les bien avant de les préparer. Si vous avez la main verte, débarrassez vous des insectes incommodants en optant pour des solutions naturelles citronnelle, huile essentielle de lavande, de menthe, etc. Évitez d'utiliser trop de produits cosmétiques sur des bébés. Et enfants de moins de 3 ans, plutôt que les lingettes, privilégiez le liminant, le liniment, pardon, je crois que c'est le bon, enfin, bon, bref, Limi, liniment, alors, l-i-n-i-m-e-n-t, c'est marrant, je, je pensais pas, enfin, pour moi, ça s'écrivait pas comme ça, bon, enfin, bon, bref, euh, ou simplement de l'eau savonneuse pour le change, voilà, de l'eau et du savon faut rester sur des bases naturelles. L'air de nos logements est souvent plus pollué que l'air extérieur, car nos intérieurs contiennent de multiples sources de produits chimiques. Ainsi, les produits ménagers, les meubles et les tissus des canapés, ou encore certaines peintures sont chargées d'un perturbateurs endocriniens. Choisissez des produits d'entretien et des peintures naturelles certifiées biologiques. Écolabel européen. Pour la déco, préférez les meubles en bois massif. Lavez vos vêtements neufs avant de les porter. Aérez au moins 20 minutes par jour votre logement pour, euh, pour renouveler l'air intérieur. Pour les femmes enceintes, bébés et enfants, Santé publique France a lancé le 3 septembre 2019 le site Internet Agir pour bébés, donnant des conseils pratiques pour limiter leur exposition aux produits chimiques, dont les perturbateurs endocriniens. Bon, je refais une, un petit enregistrement pour euh, vous dire au revoir quand même, parce que j'ai été coupée encore par le téléphone. Ça n'arrête pas et c'est que de la pub. C'est que ça, que ça, que ça. Enfin bon, bref, je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut!